question, non? Dégage. Ce soir, il va y avoir du changement. T'as signé ton arrêt de mort, Lab. Le mur derrière lui est fragile. Si j'arrive à passer derrière, je pourrai éliminer ce type discrètement. Qu'est-ce que tu fais, Sionis? N'ai-je pas toujours été honnête avec toi? Désolé, Gillian, mais les choses ont changé. On va prendre un nouveau départ. Et t'es pas invité? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas invité? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu ne peux pas faire ça! Je suis le chef de la police, quand même! La fête est finie. C'est trop tard. Le commissaire Loeb est mort. Black Mask va devoir s'expliquer. Ça va pas! On sortira jamais d'ici! Faut essayer! Tu me parles! Détruire!
La carte mémoire est endommagée, mais je devrais récupérer la plupart des données dans la Batcave. Des bottes avec ta peau, Batman. Je veux des réponses.
mettre la main dessus. Quel assassin ? Le gagnant deviendra célèbre et riche. Au moins, on sait qu'il ne sera pas moche. Stop ! Allez, on bouge plus ! Je vais vous boucler. Pas ce soir. Alors Batman est une légende, hein ? Vous êtes de retour pour la nuit, monsieur ? Dois-je réchauffer le repas de Noël ? Non. La nuit risque d'être très longue, Alfred. Je viens de croiser un crocodile à forme humaine qui m'a dit que Black Mask avait embauché des assassins pour me tuer. Des assassins, monsieur ? Parce qu'il y en a plusieurs ? C'est ça. Et vous l'avez appris de la bouche d'un homme crocodile ? Il s'appelle Killer Croc. Il est déjà derrière les barreaux. Ouf ! Je plains son co-détenu. Pas moi. Voyons ce qu'il y a d'autre sur le disque dur du drone. Chacun d'entre eux reçoit une de ces enveloppes. Je veux qu'elles soient livrées. Ce soir. Ce sont des tueurs à gages, les meilleurs dans ce domaine. Black Mask a fait les choses en grand. Slade Wilson, Deathstroke, ancien militaire, victime d'une expérience médicale ratée. Ratée, vous dites ? Garfield Linz, alias Firefly. Brûlé sur 90% de son corps, son obsession entraînera sa perte. Contrairement à quelqu'un que je connais. Voici un visage que je ne connais pas. Copperhead. Bizarre. Ces rapports font référence à un homme, pas une femme. 14 évasions, hein ? Eh ben, tu sortiras jamais de... Mais qu'est-ce que... Floyd Lawton, alias Deadshot. On bouge plus ! Il est indiqué que c'est un tireur d'élite. Mais comment ? Soupçonné de nombreux assassinats majeurs. Dangereux, mais imprudent. Un voyou appelé Lester Bouchinski. Il se fait appeler l'électrocuteur. Quel choc ! Shiva. Un talent exceptionnel. Pourquoi se ferait-il payer pour jouer les tueurs à gages ? C'est le directeur Joseph ? C'est comme ça que Black Mask est entré à Blackgate. Il utilise la torture pour intimider et pour s'amuser. 8 assassins volent votre peau. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ? Je vais découvrir qui commandait ce drone. Je vais l'obliger à parler. Ensuite, j'irai rendre visite à Black Mask pour mettre fin à tout ça. Monsieur, je ne fais peut-être que radoter, mais vous savez que vous et moi étant les seules personnes à connaître l'identité de Batman, ces assassins ne pourront pas remplir leur contrat si vous passez la soirée ici. Ils mettraient des innocents en danger pour attirer mon attention. Je ne peux pas prendre ce risque. Et vous croyez que c'est une meilleure idée de sortir et de vous mettre dans leur viseur ? Il n'y a qu'une seule personne à Gotham qui puisse mettre la main sur une chose pareille. Le Pingouin. Il est sur la piste de Black Mask. Il devait aller à un rendez-vous avec les hommes du Pingouin à Jezebel Plaza. Je vais les faire parler. Vous êtes sûr que c'est raisonnable ? Je sais ce que je fais. Au cas où vous changeriez d'avis et décideriez de vous entraîner ce soir, je laisse votre système d'entraînement actif.
La vacuum est un prêt pour vous emmener à des Je vais bien m'amuser. Allez les gars, on a un problème à régler en urgence. Alors, réglez-le. Bougez-vous! Le pingouin avait pas l'air de s'en faire, y a pas de quoi s'inquiéter, nous. Je vais faire le ménage. Je ne vous fais pas pour parler.
Espèce de boule pourrie décérébrée. Allez, au boulot! Je vais bien m'amuser. Ce que je voulais.
Laissez-le-moi! On serre les coudes!
voulais. On va l'exploser! Ça devrait marcher. Oh non, t'as tout gâché. C'est notre territoire. Il nous fait passer pour des nazes. Le patron veut sa peau. On se bouge. Butez-le.
Messieurs, vous devriez faire vite si vous voulez aller à Jezebel Plaza avant que les hommes du pingouin finissent leur... business. Monsieur, pour simplifier vos voyages, j'ai installé des points de navigation automatique dans différentes zones de la ville. L'une des destinations prédéfinies devrait vous mener à Jezebel Plaza. Je dois me mettre en hauteur à l'abri du danger. Il ne tirera pas s'il ne me voit pas. Si j'attaque de front, c'est le meilleur moyen de me faire tuer et de faire tuer l'otage. Ils ne s'attendent pas à une attaque par au-dessus. C'est toujours comme ça. Ce machin-là... merde, j'arrête. Faufiler jusqu'au preneur d'otages en rampant dans la ventilation. C'était quoi ce machin? Tu crois que c'est le mec qui nous a embauchés? Mettez-vous à l'abri et appelez la police. Ils voudront voir ce qui se passe ici. D'accord, je m'en charge. Je vais le faire! Je te désespère pas que tu sois! Si jamais t'approches, je vais te mettre! Je vais couvrir ici! Je peux réparer la tour. Tout ce que vous voulez, pitié, me faites pas de mal. Tout ce que je veux, c'est... Que les ennuis de cette tour soient dus à l'orage. Je dois installer une scène de crime et découvrir ce qui s'est passé. Je dois commencer par identifier la victime. La victime s'appelle David Shannon. C'est un employé de Gotham Optics envoyé pour réparer une tour relais. Mais qu'est-ce qui l'a tué? Je le découvrirai sûrement en analysant l'ADN sur le mur. L'analyse de l'impact indique que la victime a été tuée par une sorte d'explosion provenant de ce panneau d'accès. Je devrais l'analyser pour trouver des indices. Le panneau a été piégé pour exploser lors de l'utilisation d'un pass. Quelqu'un ne voulait pas que cette tour soit réparée. Et on dirait que cette personne a laissé une série d'empreintes derrière elle. Alfred, je vous transmets des empreintes pour analyse. Communiquez-moi les résultats. Certainement, monsieur, je cherche. Et voilà, elles appartiennent à John F. Becker. C'est un criminel plutôt quelconque, de menu larcin surtout. Sauf que... c'est curieux. Pourquoi ça? Monsieur Becker est mort, monsieur. Son corps a été retrouvé dans le Diamond District il y a moins d'une heure. On dirait que quelqu'un essaie d'effacer les traces.
Je peux contourner le panneau d'accès piégé avec mon séquenceur cryptographique, mais j'ai besoin des codes de cryptage sur la carte d'accès de la victime. Je devrais la trouver en analysant la scène de crime. Cette carte a les codes dont j'ai besoin pour pirater les panneaux d'accès de la tour. Alfred, contactez le GCPD. Prévenez-le au sujet du corps. Envoyez-lui aussi les données de mes analyses. Certainement, monsieur. Cela veut dire que vous avez trouvé la source des perturbations ? Je crois, oui. Tiens, tiens, mais c'est le roi des voyous en personne. Je me disais bien que tu finirais par te montrer. Désolé pour le bazar en bas. Qui est là ? Dis-toi juste que je suis un grand mystère. Un grand mystère insoluble. Énigma, alors ? Oh, oh, oh ! Tu dois te prendre pour un génie. En parlant de génie, écoute ça. J'ai pris le contrôle des tours de ce genre dans toute la ville. Tant qu'elles seront actives, ta Batwing sera inutile. Et on dirait bien que ça va durer. Franchement, celle-ci meurt d'envie d'être désactivée. Mais t'y arriveras même pas. Dommage, mon vieux. Ça ne va pas plaire à Black Mask. De quoi est-ce que tu parles ? T'aimerais bien le savoir. Le brouilleur est hors ligne. Je vais pouvoir passer avec la Batwing. Ces relais font partie du réseau de sécurité distribué. Je me demande ce qu'ils protègent. Ce doit être ici qu'Enigma s'est installé. Je dois lui rendre une petite visite. Je vois que vous avez repris le contrôle de la Batwing. J'imagine que vous allez à Jezebel Plaza ? Tout à fait. Mais j'ai aussi une piste sur Enigma. Ne vous en faites pas trop, monsieur. On sait bien que vous finirez par faire... les deux.
Si je ne vais pas à Jezebel Plaza avant l'échange d'armes, je ne pourrai pas localiser le pingouin. On dirait le délit que la radio du GCPD vient juste de signaler. Je peux aller enquêter, et même peut-être arrêter le crime. Mais je dois aussi m'occuper de la vente d'armes à Jezebel Plaza. Ce pont est long, je dois utiliser l'accélérateur de grappin.
soir, monsieur. Pas de problème. Je vais éliminer ces assassins avant même qu'ils ne... Il n'y a pas que ça. Et si des enfants curieux scrutent le ciel pour voir qui trottine sur leur toit, ils s'attendront à voir le Père Noël. Pas une chauve-souris géant. Je ne trottine pas. Viens voir, papa. On dirait que je suis arrivé le premier. Je dois trouver un endroit d'où je puisse épier discrètement. Le pingouin. Il sait absolument tout des transactions qui ont lieu dans cette ville. Si quelqu'un sait où se trouve Black Mask et ses assassins, c'est bien lui. Mais le pingouin est dur à trouver. Ces hommes concluent une vente. Je vais les faire parler. Les gars! Les morveux, qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Attendez, je le sais déjà. On va voir si vous avez été méchant ou... gentil. Le crétin en Père Noël est sûrement le chef. Où est passé le reste? Bon, on va y jeter un œil. Où est-ce qu'il est? Je...
insiste. Pitié! Stop! Stop! Je vais parler! Je vais te dire ce que tu veux savoir! Pitié! Arrête! Trop tard. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. C'est dingue! T'es complètement givré! Si je peux lire cette carte SIM, je devrais localiser le pingouin. Alfred, j'ai des interférences sur mes systèmes de communication. Ça vient de chez vous? Non, monsieur, je le constate aussi. Ça provient de la tour GCR toute proche. C'est le même signal qui brouille les systèmes de navigation de la Batwing. J'ai indiqué la tour sur votre carte. Je dois arrêter le signal afin de pister le pingouin. On a une mission potentielle. Restez sur ce canal. Démontez ces mecs. Décrapouillez-le. Tu m'oublies pas? Alors tu abandonnes déjà? Oh, je t'en veux pas. Ce genre de job, c'est pas trop ta tasse de thé. On peut rien contre lui. Pourquoi résoudre
résoudre un problème avec son cerveau lorsqu'on peut se contenter de faire n'importe quoi. Tu sais, si tu l'avais demandé gentiment, je l'aurais ouverte pour toi. Mes félicitations, Batman. Tu n'es peut-être pas aussi débile qu'on me l'a fait croire. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Enigma ? T'es direct ? Ça me plaît. Je vais te dire. Gotham est souillé, rempli de brutes qui contrôlent la ville par la violence et l'intimidation. Tu n'as pas répondu à ma question. Parce que tu m'as coupé la parole. Je veux me débarrasser de Batman, dans le but d'améliorer la morale et le QI dans Gotham. Je ne suis pas un voyou comme toi. Mon style est un peu plus raffiné. Ce que tu fais n'est rien d'autre que du vol. Il n'y a rien de raffiné dans tout ça. Ta réponse est aussi prévisible que banale. Au revoir. Je peux accéder à la carte SIM que j'ai prise au vendeur d'armes et pirater les communications du pingouin. Est-ce que vos soirées sont réussies ? Vos crêpes devraient-elles être plus savoureuses ? Connaissez-vous ? Ici Anarchy, et vous écoutez Freeway. Delta 6-1, demande des renforts au 888 Christophe. Le pingouin a mal digéré que la corps soit tombée à l'eau. Ouais, si j'étais impliqué là-dedans, je serais déjà loin de la ville. Alfred. Je capte un signal des hommes pingouins. Mais il n'est associé à aucune fréquence sans fil connue. En effet, je le vois ici. On dirait que le pingouin gère son propre réseau sans fil à l'aide de transmetteurs sur des ordinateurs portables qui servent de bornes. Il donne une fréquence à ses hommes via une radio bibande. Il y a deux stations de ce type près de votre position. Bien, indiquez-les sur ma carte. Si je peux trouver ces Tokiwoki et les pirates, je pourrai repérer la création. Quoi que ces relais protègent, ce doit être dangereux. Je dois détruire ce que je trouve. En attente.
un disque de données cryptées. On dirait qu'il fait partie d'un grand ensemble. Si j'en récupère assez, je pourrais sans doute lire le fichier. Je suis désolé, Fichier. Bon, je pense. Allons, Pasteur. Je pensais pas que ce serait si facile. Très bien, intéressant. Le pingouin a mal digéré que la Corse va tomber à l'eau. Ouais, si j'étais impliqué là-dedans, je serais déjà loin de la ville.
attraper quelqu'un. Allez, cognez. Doucement, fais pas l'idiot. À toutes les unités, si vous êtes en 10-10, merci de signaler pour une... Sans toi sur mon chemin, je vais pouvoir m'emparer de Gotham. Et plus tôt que je le pensais. Pingouin a mal digéré que la corde soit tombée à l'eau. Ouais, si j'étais impliqué là-dedans, je serais déjà loin de la ville. Pour la troisième manche, voyons ce que tu sais faire. Fais attention, c'est du vandalisme. Tu rentres dans les conduits comme un rat d'égout. Rien d'étonnant. Diriger ce machin doit demander une bonne dose de concentration. J'suis maladroit! Pauvre porte.
Allez, présente-lui tes excuses. Intéressant. C'était un vrai plaisir de t'observer en action. Je vais m'assurer que la suivante est encore plus corsée. Ce n'est pas un jeu, Enigma. Si, c'en est un. Et tu ferais bien d'arrêter de jouer, mais tu ne joueras pas, pas vrai? Je dois te demander d'arrêter de me contrarier. S'attaquer à mes tours, c'est une chose, mais... à mes informateurs, mes données, mes relais réseaux, ça ne t'appartient pas, alors dégage! À toutes les unités, si vous êtes en bénéfice, merci de signaler pour une éventuelle mission. Thank you.
accident. Regardez ça! C'est lui! Il faut que ce tic! Je dois trouver la prochaine station de communication. Ensuite, je pourrai trouver la position du pingouin. Gêner notre livraison. Par exemple, sauver sa peau. Alors la prochaine fois que tu veux raconter des conneries, trouve quelqu'un d'encore plus débile que toi. Oh, attends, c'est vrai. Y a personne qui soit plus débile que toi. Monsieur Cobblepot, je vous jure que c'était Batman. Il a lâché Ricky depuis le toit de l'horloge en plein sur le sapin de Noël. Je me fous de savoir ce que tu crois avoir vu. Si tu n'es pas de retour avec mon fric dans les 10 minutes, je vais t'arracher les yeux. Comme ça, tu te soucieras plus de ce que tu vois. C'est compris? Oui, monsieur Cobblepot. Désolé, monsieur Cobblepot.
pour toi. Ce qui signifie que notre petit jeu touche à sa fin. Ça m'a bien plu, Batman. Mais il faut croire que toutes les bonnes choses ont une fin. De résoudre un problème. Je crois que tu as pris la bonne décision. Reconnaître que l'on est vaincu est la première étape vers la progression personnelle. De surmonter les obstacles qu'en les détruisant. Qui se sert des portes de toute façon ? Tu es trop chanceux. Il faut que tu arrêtes ça. Que j'arrête quoi? Le nettoyage des rues? Le coup de pouce pour que le GCPD fasse son boulot? L'éradication de la corruption? Il y a un de ces sujets avec lequel tu n'es pas d'accord? Dis-moi lequel. Tu utilises les données que tu as volées pour faire chanter les gens. Et le travail est fait. Et c'est certainement moins violent que les raclées que tu adores donner. Réfléchis. Je vais prendre un café. Je dirai le prince.
assassins en ville. Les assassins? Tu es le pingouin? Non, il a buté Batman. Black Mask les a embauchés, mais le pingouin... Qui est-ce qui ose me chercher? Écoutez-moi tous, je sais que je devrais annuler les combats annuels du Polar Deck après ce qui s'est passé ce soir à Jezebel Plaza. Te voilà. Mais pour vous montrer que je suis sympa, je n'annulerai rien. Alors montez à bord tout de suite si ça vous intéresse. Est-ce que c'est clair? Pingouin se cachait sur ce vieux navire. Étonnant qu'il soit difficile à trouver. C'est des snipers. Si je veux approcher discrètement, je dois éliminer les snipers sans me faire voir. Thank you.
Batman. J'en connais un qui a pris une batte pour un combat au couteau. Je vais te donner une bonne leçon. Ces drones sont identiques à celui que j'ai trouvé à Blackgate. Le gaucher. Oh.
fort au moins. D'accord, les gars. Vous allez devoir vous faire humilier sans ma présence. Je suis sûr que vous y arriverez. J'ai des affaires à régler dans mon bureau et je ne veux pas qu'on me dérange. Tracy dirigera les combats jusqu'à mon retour. Le pingouin devrait être dans son bureau. Tracy peut m'aider à le rejoindre. Je vais la faire parler. Accueillons un vilain, un vrai de vrai. Et il mérite un accueil comme il se doit. Pigez, les gars! Tu m'as fait gagner pas mal de temps en venant ici, Batman! Je vais te tuer, puis je ferai repartir ton cœur. Et je te tuerai encore! Je suis à la recherche de Black Mask. Où est-il? Je suis pas là pour parler. Je suis là pour buter. C'est ta dernière chance. Alors tu vas mourir. Black Mask devait être cinglé. Je sais, ça intimide après. Je suis un meilleur que chauve-souris. Allez. Viens me montrer où se trouve le pingouin. D'accord, bande de monstres. C'est l'heure de gagner votre dîner. Il essaie d'atteindre votre patron, les gars. Vous le laissez faire. Et je te brise le larynx. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, c'est bon. Il est dans son bureau. On y entre uniquement par le théâtre, de l'autre côté du casino.
mais Tracy te laissera jamais passer. Tracy n'est pas un obstacle. C'était plus concluant que le dernier interrogatoire. Ce crétin ne sait rien du tout. Pour trouver Black Mask, je dois compter sur le pingouin. Le pingouin saura où je peux trouver Black Mask. L'électrocuteur n'aura aucune information fiable. Comment il appellera l'autre? Le Final Offer 2. C'est pas possible ce nom-là. Le Final Offer, c'est le Final Offer. Point final. C'est vrai. Ça porte peut-être chance, un nouveau nom. On en a besoin. Sauf si Batman est dans les environs. Qui a repris conscience et il est en cavale. J'aurais dû le ficeler et dire à la police de le récupérer. Alfred, j'ai croisé un des assassins. Lester Bouchinski. L'électrocuteur, vous allez bien? Oui, mais il a réussi à fuir. Ses gants émettaient un fort signal électromagnétique. Si vous isolez ce dernier, je pourrais retrouver ce malfrat. Je vais m'en occuper. Où allez-vous maintenant? Je me dirige vers le casino du Final Offer. Je vais demander à l'assistante du pingouin de me conduire jusqu'à son patron. Casino.
L'assistante du pingouin doit être tout près. Je vais lui demander où est le bureau de Cobblepot. Si je prends un petit bonus de Noël. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Vraiment très dur à la comprendre, hein? Monsieur Cobblepot veut pas de nouveau visiteur. Donc pas question que tu rentres bien trop loin. Alors tu peux faire demi-tour. Montrez-lui la porte. Depuis la salle de sécurité. S'inquiéter. Les derniers... Une correction, celle-là. J'espère que c'est un rouge à lèvres que tu cherches. Hé hey, tu peux pas faire ça. Je suis claustrophobe, moi. Cobblepot va pas être content quand il va savoir tout ça. Allez.
Hey, mon gars, tu sais que t'es pas le bienvenu ici. Et tu sais ce qu'on fait aux amis de... Ah, tu vas le découvrir. Finito. Leur empire est mort. Heureux les simples d'esprit, Zerik, nom de la Terre. Je suis un simple d'esprit? Non! C'est dans la Bible. Ah, j'ai jamais lu ce bouquin. Mais si t'es du genre à prier, tu devrais peut-être la fermer et prier pour que ton patron dise au mien ce qu'il veut savoir. Sinon, toi et moi, on va... nager avec les... Ah, c'est original. Sale fils de père! Je te préviens, un mot de plus et... Qu'est-ce que tu veux? J'ai rien fait du tout. Qui est ton patron? Qu'est-ce que le pingouin lui veut? Alberto Falcone. Mais je ne sais pas du tout ce que lui veut le pingouin, je le jure. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais le vieux Falcone te serait extrêmement reconnaissant si tu liquidais Cobblepot. Il est derrière cette porte, là-bas. Non, merci. Alors, où sommes-nous, Candy? Vous avez suggéré que le petit Alberto, ici présent, est poussin. Essaie de convaincre son père de prendre sa retraite anticipée. Il a refusé, il vous a traité de... voyons... de petite, ordure, déphasée.
Non, 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 pitié! Tu ferais bien de m'écouter, Falcon. Parce que c'est la dernière fois que je... demande. Qu'est-ce que tu vas dire à ton père ? Qu'on va arrêter de vendre des armes. Je te le promets. Je vais l'y obliger. Je vois tes lèvres bouger, Bertie. Mais j'entends pas le son que je voudrais entendre. Oh oh. Oh oh oh. Ah ! Vous avez intérêt à le tuer. Pitié ! Me fais pas de mal ! Qu'est-ce que vous attendez ? Tuez-le ! Posez-lui le cul de vos ratés ! Bougez-vous ! Tuez-le ! Oh ! Allez, vite ! N'oubliez pas pourquoi je vous fais des nasses ! Tuez-le quand vous le souviens ! Vite ! Non, attends ! Attends une petite seconde ! Ah ! Ah ! Je t'ai observé ! Tu fais la même chose que moi! Black Mask, il a mis ma tête à prix! Où est-ce qu'il est? Je surveille pas tous les tarés surexcités! T'es pas très populaire dans cette ville! Patience, à des limites! Ah, attends, attends! Les Lazy Towers? Il y a eu un meurtre. Il était censé être à l'abri là-bas. Mais ce vieux Black Mask, il a de gros soucis, à mon avis. Quelqu'un est entré et... On dirait que la partie est finie avant d'avoir commencé. Je ne suis pas très joueur, Slade. Dis-moi où je peux trouver Black Mask. J'espère que tu as plus d'un tour dans ton sac. Finalement. Maintenant.
Sache que tu meurs dignement. Ce dont... Dis-moi où je peux trouver Black Mask. Tes méthodes et tes tactiques sont impressionnantes, mais pas assez. Content de t'avoir vu, Batman. Tu trouveras la sortie tout seul. Le pingouin ne doit pas s'enfuir. J'ai d'autres questions à lui poser. Utiliser l'appareil de Deathstroke pour atteindre le balcon.
je peux utiliser le nouvel... Je devrais utiliser l'appareil que j'ai pris à Deathstroke. Alfred, demandez au GCPD d'aller fouiller le Final Offer amarré sur le quai Dixon. Ils trouveront Slade Wilson qui les attend, ficelé, ainsi que des armes illégales appartenant aux pingouins. Oh, encore un tuyau anonyme. Très bien, monsieur. Vos appels à l'aide ont été entendus. Je suis Anarchy, la voix du peuple. Et je suis là pour vous sauver de la corruption qui infeste notre ville jadis fière. Ceux qui ont été engagés et élus pour nous libérer ne lèvent pas le petit doigt. Pourquoi le feraient-ils? Ils ont tous été achetés et encouragés à fermer les yeux. S'ils n'agissent pas, je le ferai. Quand l'aube sera là, les causes de la ruine de Gotham seront éliminées. Revenons maintenant à votre programme régulier de propagande et d'immondice consumériste. Comme s'il n'y avait pas assez d'action ce soir. Je dois vite aller au Lacey Towers avant que la police détruise l'épreuve du crime pour pas pouvoir me signaler. Batman, j'espérais pouvoir en parler un peu. J'ai une petite histoire à te raconter, pleine de crimes et de violence, d'envie et de vengeance. Mais aussi une histoire de rédemption, de deuxième chance, de changement. J'ai placé 3 bombes là où la corruption de Gotham est à son comble. Mais contrairement à mes ennemis, je crois à la liberté de choix. T'en offre donc un. Laisse-les exploser ou désamorce-les. Tes actions détermineront ce que je ferai de toi. Hé, hey, monsieur, par ici. Hé, hey, doucement, je cherche pas la bagarre. J'ai un message, c'est tout. Anarchy dit que si vous voulez retirer de l'argent, vous devriez le faire maintenant. Il est payé, mais je ne peux pas le faire.
les unités de l'homicide disponibles. Merci de répondre au 187 dans le Bowery. Des agents sur place ont signalé des victimes qui seraient tombées d'un immeuble. Nous avons un problème. Oui, j'ai vu. Ce monsieur Anarchy a mentionné 3 bombes. Il en reste donc 2. Je dois les trouver. Nul doute que vous y arriverez, monsieur. J'ai placé 3 bombes là où la corruption de Gotham...